Bonjour, je m'appelle Josée Gauthier, je suis enseignante en comptabilité et gestion et je suis responsable aussi de l'entrepreneuriat au Cégep. L'année passée, on a démarré avec le groupe entrepreneur, le Tazavero. Et cette année, j'aimerais vous présenter un beau projet qui est de nature pédagogique et parascolaire. En fait, le club entrepreneur s'est impliqué avec le département d'hygiène dentaire. C'est une boutique où les étudiants vont vendre des produits dentaires à la clinique et aussi à la communauté collégiale. Le côté pédagogique du projet, nous autres, c'est suite à l'agrément dentaire qu'on a eu des propositions qu'il fallait que nos étudiants aient des occasions d'apprentissage au niveau de la gestion. Du côté des affaires. Fait qu'on a comme réfléchi un petit peu à ça, puis on s'est dit, la présence d'une coop, okay, au sein du département pourrait donner à nos étudiants justement cette occasion-là de gérer le matériel, de faire de l'inventaire, d'avoir aussi à commander, d'acheminer les commandes, prendre note pour des commandes spéciales que les gens aimeraient avoir, etc. Donc, il y a un petit prototype qu'on a fait avec Anne-Marie Lefrançois, un petit concept de boutique qui pouvait se promener facilement à l'intérieur de la clinique et dans le cégep. Ouais, après ça, de l'autre côté, ici, tu vas avoir deux tablettes. C'est une tablette qui lève demain pour la caisse, pour présenter des affaires qui ont besoin. Ça, c'est bon, un côté tablette pour serrer du stock. Moi, dans le fond, c'était plus le challenge là, de commencer un nouveau projet comme ça, de zéro, là, une petite entreprise. C'est déjà une idée que j'avais déjà pensé faire, mais que j'avais jamais pensé que ça se réaliserait, puis surtout pas aussi rapidement, comme on a pu le vivre. La direction du cégep de Chicoutimi nous a accordé le financement pour le mettre en branle et la boutique vous allez pouvoir la voir, la vraie boutique, venir rencontrer les gens qui ont participé au projet le mercredi 14 novembre prochain à la place publique ici au cégep de Chicoutimi.